Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires, sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Soigne, Mire, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise, la Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STUP, et mon ami. Sandoval avait passé ces six dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'UNIDAD, grossièrement. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Refe de Refes. Le Big Boss des Big Boss, El Sueño. Bien, salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour du Ghost Recon Ridelands. Et on n'est pas seul aujourd'hui, on est avec deux compères, dont un Urquichaud sauvage. Oui, bonjour. Et un Pandou sauvage. C'est moi. C'est lui. C'est Pandou. Donc voilà, on se retrouve sur Ghost Recon, on va faire la coop, parce que nous on est des ouf gueudins, vous voyez. Et puis faut dire, Ubisoft m'a envoyé 4 clés, donc ils se sont dit vas-y ex, vas-y, fais le let's play avec plein d'amis, fais-le. C'est un peu comme ça,
Bah, en même temps, j'ai envie de vous dire, on peut quand même jouer à 4, donc c'est intéressant en soi. Non? Vous en pensez pas? C'est pas mal. Alors le silencieux. Appuyez sur viser et appuyez sur. Non, ok, j'ai pas le temps de lire. Ah, les temps de chargement. Les temps de chargement, j'adore les temps de chargement. Ça me rend fou les temps de chargement. On aime, hein. Alors, on va faire notre femme. Merci. Déjà, s'il vous plaît. Hein. Respectez-moi. Donc, déjà, j'avais pris qui, moi, sur le. J'ai demandé une femme, j'ai pas demandé un homme. Oh! Oui, bon, la tenue, s'il te plaît. Ah, c'est déjà un peu mieux. Alors, bon, elle est pas très belle, hein, j'avouerai. Alors, Murphy. Vous avez pris qui, vous? Moi, j'ai pris Murphy. J'ai pris un mec. Oui, mais les visages sont les mêmes, en fait. Ah, putain, ça fait 3 plombs à charger, encore. Attends, ça change rien. Ici. Non, faut le temps. Faut juste le temps que ça charge. Faut grave le temps, même. Faut le temps. Alors, les serveurs, ils rament, comme vous pouvez le constater. on peut détruire les ampoules. Attends, Murphy, elle est black ou alors elle est blanche? Faut savoir. Elle est blanche, elle est blanche. Non, moi, il m'a mis une black. Non, mais attends, bah, c'est il est en train de changer tout. C'est celle en dessous, en fait. Alors, Mason est moche. Foxy... Foxy, là. Ouais... Oh, putain. Oh, punaise, y a pas dit... Ça, c'est un peu des quiches pour faire des femmes. Bon, on va rester sur Murphy, hein. Alors, pilosité, comment? Je peux pas me faire une femme à barbe? Ça serait bon. Alors, j'avais fait quoi, moi, à l'époque? Pas à la bêta. Merde. T'es pas coiffe militaire, je crois que j'avais fait... En bataille? Non, c'est bon, j'ai assez donné pour aller en isolation, je vais pas faire cette coiffure. Bon, bah... On va faire en bataille, hein. On a pas trop le choix, j'ai envie de dire, hein. Alors, couleur des... Mais, je voulais faire une femme aux cheveux rouges, moi! Mais... Coupure rasoir. C'est une coupe... Coupure de rasoir... Vous appelez ça une coupure de rasoir, vous? Ouais, qui passe par l'œil. J'appelle ça une coupure de machette, moi. Ouais. C'est d'accord, c'est une coupure de machette, ça. Ouais. Allez, vas-y, moi, il me faut une guerrière, tu vois. Alors... Apparence. Alors, vêtements. Non, mais déjà, tu vas me virer ce... Comment on... Non, mais tu veux bien me... Mais vous avez fait comment pour virer cette saloperie de... Quoi? Quoi? Bah, l'espèce de truc que je me tape sur la tête, là. Ah, le casque. Bah, normalement, il s'enlève quand tu choisis des traits du visage ou autre. Ouais. Ouais, mais moi je le garde là, je sais pas pourquoi. Bah, va dans personnalisation, enfin tout en bas. Costume 100. Ah, j'ai un costume leader. Oh, j'ai un costume leader rebelle. Oh, c'est moche. Et attendez, c'est quoi ça? Post-apocalypse. Ah, oh, c'est une récompense, s'il vous plaît. Oh, fait chier. Bon, bah, j'essaierai de la débloquer plus tard. Bon, déjà, accessoire là. C'est quoi ça, les yeux, là? Lunettes. Non, mais je veux juste savoir comment je vire cette... Peut-être sur tête, alors. Ouais, sur tête, et tu vas dans le casque et tu mets 100. Attends, mais non, en fait, j'ai haut... Attends, mais vous êtes où, là? Dans accessoires? Hein? Pas accessoires, chapeau, votre... 100, visage, oh, là, 100, chapeau. Yeux... Mais je sais pas, il me met quand même le truc avec le... Bah, dans tenue, normalement, tu peux modifier le casque, tu peux mettre 100. Quoi, non, je vais mettre tenue 1 là. Ok, bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me met tous ces trucs. Bon, la tenue est pas dégueulasse. J'aime juste pas le haut, j'aime pas le haut seulement. Je voudrais un t-shirt, moi. Voilà, merci. Alors, voilà. Bon, du coup, accessoires. Les yeux, 100. Visage. 100. Ok, donc je peux me mettre une cagoule, enfin je peux me... Non, on va mettre 100, hein, j'ai quand même envie de profiter de la demoiselle, hein. Vous avez mis un casque, vous, ou pas? Une casquette. Ouais. Moi aussi, une casquette. Casquette baseball inversée? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, comment est-ce que je vire? Parce que là, il m'a fait des tatouages, il m'a mis des trucs bizarres, soit... J'ai des écouteurs! Micro-casque... Non, ça serait gâché tout le truc, quand même. Alors, les mains, les gants... C'est bien, mais je suis plus porté vers le black.
Sac à dos. Là, c'est... Ça va, ils ont quand même bien poussé la customisation. Hein. Malheureusement, les détails sur les femmes sont pas terribles. Hein. Pas terrible, terrible. Hein. Ouais, on va laisser ça comme ça. Bon, du coup, comment est-ce que je fais pour peinture, voilà. Voilà. Screaming Eagles, Commando. Oh, Commando. Petite référence à Schwarzenegger. Oh, on peut mettre des tatouages. Bah oui. Ouais. Santa Maria. C'est ce que j'ai mis. Le crâne traditionnel. Oh putain, détaillé traditionnel, il est pas mal aussi, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, elle ressemble plus ou moins à ça, mais du coup, bon allez, on va faire un dernier détail. Je veux des lunettes. Je veux des lunettes qui tuent. Oh, un cache-œil. Ils sont sérieux. J'hésitais à le mettre le cache-œil. Bon, je pense que je suis prêt là. Après 2h30, je suis enfin prêt. On va changer la couleur du t-shirt, s'il n'y a pas moyen. Tu peux. Oh putain, il y en a... Il y a du choix, hein. Ça, il n'y a pas à dire, il y a du choix. Bon, de toute façon, au pire, hein, au pire, on changera plus tard. Je pense que, de toute façon, il y a moyen de changer, il me semble. Hein. Ouais, il y a moyen de changer en jeu. Tant mieux. Bon, bah du coup, c'est comme ça qu'on va partir. Sauvegardez votre personnage. Oui. Alors, difficulté arcade standard. Standard. Voilà, après 12 minutes, on a enfin créé le personnage. Ouais. Je suppose qu'on va s'en taper une cinématique. Oui. Ouais. Oui, j'adore les cinématiques. Putain, on a l'air blasé aujourd'hui. 12 minutes pour créer le personnage, un truc de ouf. Il faut. Ça va être notre avatar spirituel dans le jeu, donc il faut l'aimer. Il faut le chérir, le choyer, tout ça. Et faire attention à lui pour pas qu'il meure. C'était un ami à moi. Mes condoléances. Je sais que c'est le risque du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. C'est clair, ouais. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux. Sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Eh, celui-là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Holt? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou connaît pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, va dire ça à mon fils. Là, il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soigné. Pauvreté et chasteté, si son kiff c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'Interarme. Vous serez votre officier de liaison.
Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pat Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pak Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. Je suis dans le jeu, maintenant faut inviter c'est les copains. C'est l'heure de mériter votre... Et du coup, comment on invite les copains ? Votre solde. Enter, non ? Non, parce que si je fais Enter, ça va... Ah non, c'est rechargé. Ça me défrise un peu de collaborer pas moi, avec Pat Qatari et ses rebelles. Directement, leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. John Game, premier voilà. Objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter pour un joueur, là. J'ai eu ça où ? Shift F2, liste d'amis, SVSK, hop, clic droit, John Game. Bon ben je vous attends alors. Ça charge. Et là, les serveurs Ubisoft sont temporairement indisponibles. Ah ben Captain Bandit vous a rejoint. Ouais. Un signe débloqué, le pouvoir de l'amitié. Ouais, je crois. Ah non, attends, parle plus, je t'entends dans le jeu. Merde. Chier. Volume escouade 0, volume... Ah, non, volume micro, ça va. Micro ouvert, micro désactivé. Voilà, normalement, je devrais plus t'entendre. Vas-y, parle un coup. Ah, j'entends pour nous encore. Moi je vois que tu parles. Enfin, moi ça me dérange pas parce que moi j'ai tout désactivé donc ça va. Non, mais je vais désactiver le micro directement. Parce que bah, si moi vous... c'est désactivé là. Ah, là je vous entends plus là. Bon c'est pas encore. Tu es encore en charge de moi. Bonjour. Je vois genre. Que tu as refait Blackbird. genre t'as mis coupure de rasoir quoi. Genre tu te crases.
Ouais, même. Mais je te dis, c'est pas une coupure de rasoir, ça, c'est une coupure de machette. Oh putain, Yorkie, il est moche. Oh putain. Oh putain, mais... il a la casquette de fort en or. Alors, attends, c'est dans audio. Ouais, le son. Parce qu'il a pas soufflé dans ton micro, hein, parce qu'on sait que t'as l'habitude de le faire, mais faut arrêter. Désolé. Hein. Bon, t'as... du coup, comment ça se joue encore? Alors, ça, on se rattrape la ventre, ok. On prend le 4x4, hein, je suis désolé. Qui c'est qui conduit? Je déploie le drone. C'est pas nous. Comment on déploie le drone encore? W. W. Le drone a décollé. Nyeom. Ok. J'ai pas l'air. Attends, pourquoi je suis en marche? Attendez, j'espère au moins. Passe. Attendez, attendez, je suis en marche là. Mais comment pour... Ah oui, c'est quand tu appuies sur X en fait. Allez, vas-y, c'est bon. Hop. Allez, vas-y, pour nous. Ah, ça, c'est prêt, senior. Où est-ce que je vous conduis? Bon, au moins, on risque pas d'avoir les droits d'auteur sur des musiques mexicaines, je pense. Ouais, bah, je coupe la radio. On doit être dans la voiture, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu lâches? Allez, vas-y, Pandou. D'ailleurs, Pandou, donne-nous tes impressions par rapport à la bêta. Est-ce que le maniement des véhicules a été amélioré? Elle semble un peu plus réactive quand même. Ouais. Ouais, il y a eu une petite amélioration. Enfin, il me semble. Maintenant, faudra voir sur d'autres véhicules. Oh, là. Non, ça c'est normal. En tout cas, ça a l'air moins saccadé qu'à la bêta. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait les véhicules de la bêta, ça, t'avais l'impression que. T'étais comme si t'étais. Je fais confiance à ma femme. Moi, je sais que j'étais là quand je conduis des véhicules. Et à tes gamins. Les gamins, ils passent leur temps à me mentir. J'ai essayé tout à l'heure et j'ai eu des lags. Gamin passe son temps à me mentir. Yorkie, il est là? Oui, je suis là. Parce que je vois Captain Pandou, exploration, mais Yorkie, je le vois pas dans la liste des joueurs. Oui, je le vois. Alors, moi je profite de la vue, hein. 400 mètres. Ouais. Bon, on en a dit tactique. Hop. Ouais. Voilà. Comment ça va? Bon, déjà, sortez les drones. Ça c'est un ennemi. Oui, on connaît le tutoriel des drones, merci. Encore un contact. J'en ai un troisième en visu. J'ai la cible en visu. On y va. Y'en a pas au fond par hasard? J'arrive pas à aller au fond. Ouais, c'est normal, on a pas encore le drone amélioré pour ça. Je peux déjà abattre le drone. Attends. Attends deux secondes. Oh. J'en ai eu un. Allez. On va jouer. Ouais, c'est de pas. Par contre, on fait pas les bolos du dimanche, s'il vous plaît. Hein. On va quand même essayer de la jouer bien. Hein. On est supposé trouver tous les trucs d'élite, hein, donc. Et tu te l'es fait? Ouais. Ah, bah, avant qu'on ait deux cibles comme ça, on tire synchro. Ouais. Attention, on a des ennemis sur zone. Ah, j'adore tuer les poules. Ça explose. Hop, baliser le matériel. J'en vois un autre juste là. C'est vrai. Si on veut des... Putain, bordel de drone. On est traqué, pourquoi? A mon avis, Yorkie, son drone s'est fait voir. Ah ouais, tu penses? Merde. Planquez-vous, les filles. Bon, moi d'abord je vais aller voir un terre s'il n'y a pas un truc à... Non, il n'y a rien à voir. Tu as quelqu'un pendu ou pas? Bah, ouais, je vois la cible mais il est caché pour l'instant. Ouais, j'approche en caché. C'est fait une élimination au corps à corps si tu peux. Voilà, ça fait. On est toujours traqué donc ça veut dire qu'il y en a encore un autre, attends. Oui, il y a la cible en fait. Wow. Attends, ça indique... Ah mais non, ils sont en bas les restants, je pense. Non mais il y en a encore un, normalement. Il y en avait deux. Ouais, à mon avis... Ah, je l'ai trouvé. Il est là. Vous savez, vous pouvez l'avoir de là où vous êtes. Non. Bah où il est, en fait. Je le contourne, je le contourne. Ok, dans la tente. Super,
personne ici. Il y a juste le gars planqué derrière son petit muret là-bas. Je le vois. Enfin... Ah ouais, là-bas. Ah, il y a de la ressource ici. Ouais, enfin, t'as quoi le corps à corps. Hein? Hop là. Oh, ça a lagué. Bon, du coup, faut faire gaffe parce que ça nous indique qu'il nous en reste encore. Ah, j'en ai trouvé un là. Bah, t'as tous ceux en bas. Hein. Oula. Cible abattue. C'est quoi la touche pour les jumelles? B. Quoi? B. Ouais, c'est B. Quand ça m'indique qu'il y a encore quelqu'un en bas. Il y en a deux autres. Ah, mais il y a dans les escaliers. Hein. Non, là il monte, Ah, il y en a deux qui montent, ouais. On est encore là. Cible abattue. Vous avez eu l'autre ou pas? Non. Où il est? Non, l'autre il est encore en bas là. C'est bon. L'a eu. Mais qu'est-ce qu'on attend, putain? Franco. Moi je propose qu'on descende quand même. Descendu, mais il y a encore du monde. Oh, attends. Ouais. Élimination confirmée. Ça va? Vous avez ça va, oui, il est mort. Bon, on peut aller à l'objectif, hein. Apparemment, il n'y a plus personne dans la zone. Ouais. Attends! C'est moi le let's player, s'il te plaît, laisse-moi prendre la cible. Ah, je te le laisse, hein, là, je vais pas y aller. Hey, monsieur! Avec nous. Je vais t'interroger. Allez, okay, accouche. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Loen Tiendes. Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaru, où est-ce que je le trouve? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, il y a problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Bim! Dans ta tronche! Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Vous avez pris le balisage matériel ou pas? Ouais, on a dit. Ouais. Et ici, un document pour son opposition. Le cartel va vouloir garder en vie ton pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. Et quoi là? On y va. Il est où le document? Ici, sur l'opposition. Attends, on va arrêter aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. T'es où? Bah, il est juste dans le fauteuil. Ok. Soigno. Les sicarios sont retrouvés fugitifs dans le village de Kulta. Ah ouais, y'a plus de moto. Ah ouais. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Non, ça va, je vais voir s'il y a pas un véhicule dans le coin. Ah bon, on prend un 4x4, hein. Ah, y'a une Jeep là-bas. Vas-y, je vais monter avec toi parce que moi je lag de ouf dans le véhicule. Attends, hop, je monte à l'arrière. Si déjà ce mot vous plaît pas, vous arriverez à rien. Comment on coupe la radio? Vous ferez pas des millions de dollars par mois à vendre des marchandises partout. Ouais, ça a pas trop l'air d'avoir changé en fait la maniabilité, je trouve. Ouais, mais c'est plus fluide, tu vois, et ça s'inquiète plus comme avant. Après, faut voir les véhicules, quoi. Vous arriverez chez vous. Ouais. Je glisse. T'imaginez grandir dans ce trou à ramin, frama. Pas de pognon, à peine à toi. Pas de quoi bouffer trois fois par jour. Vous feriez quoi? Bah, je trouverais un boulot. J'ai le boulot. Cultiver les champs de coca pour quelques pièces d'une par jour. Moi, je rejoins la Santa Blanca. Je fais mes preuves, j'entretiens ma famille. J'oublie ce qui fait de moi un individu. Je fais des trucs horribles à des gens qui le méritent ou pas, jusqu'au jour où je m'aperçois qu'il est temps de tourner la page. Ah, si, seigneur. Ou bien jusqu'au jour où des types se pointent pour me faire payer ce que j'ai fait. Attends, raté. On est d'accord que c'est pas la joie niveau perspective d'avenir. D'accord, moi, les mecs sont en train de parler de leur perspective d'avenir. Merde. C'est beau. Allez. Là, est-ce qu'on a les mêmes musiques? Bah, moi, j'ai pas de musique. J'ai eu un bulletin d'information. Ouais, mais. Ça va, vous êtes pas trop secoués derrière, les enfants? Papa, arrête-toi. Je suis la moquette. Une nouvelle soundtrack en peau de croco, elles sont dégueulasses maintenant. Oui. Ouais. Ah, y a un ennemi à droite. Vous voulez vous le faire ou pas? Ouais. Allez, vas-y. Attends.
Dans la... Bon, tu veux, chef. Je l'ai pas eu, je pense, hein. Là, je crois que... Ah, il est sorti, flingue-le. Ouais, mais j'ai pas d'angle. Voilà. Oh, la lampe. Ah, hélicoptère. On va rigoler. C'est qui va conduire l'hélicoptère. Ah oui, mais attends, on doit se douter. Les anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amaru se prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Infiltration. Non mais je m'en fous. Là. Ah oui d'accord, vous pour jouer infiltration, faut jouer au pistolet. Je vois une cinquième cible. Oh, attends. Ouais, vous me faites pas repérer ici. Hein. Il y a ce voyard là-bas. En plein dedans. J'ai un sicario par là. À l'intérieur de la grange. Oh, ouais, ouais. Je vais dans le champ. Je crois qu'ils ont trouvé leur copain. Je crois qu'on va te faire repérer, les filles, là. Attends, pas encore. Non, pas encore. Ils ont juste repéré un corps, c'est tout. Ça peut être n'importe qui. Oh. Je l'ai eu. Putain, fais chier. Eh ben dis donc, faut que je nettoie pour vous, quoi. Mec, je me sens seul d'un coup. Je vois une caisse d'armement par ici. Arrêtez de courir, vous faites du bruit. Ça ira bien avec mes bottes. Et qu'est-ce que t'as dit ? En plein dedans. J'ai pendu. Non, c'est pas pendu. Non, c'est qui ? Et c'est moi. RAS de ce côté. Bon, ouais, balise, tu libères. C'est bon. Vous savez, balise. Des balises dans le coin ? Ah. Une ici. À l'extérieur, près de l'hélico. Ah oui, à côté de l'hélico, ouais. Et la pièce d'armes. On aurait dû acheter un guide pour savoir où tout se trouve. Alors, un poulet en moi. On peut l'écrire. Moi. Deux poulets en moi. Quatre poulets en moi. Du coup, il faut peut-être lui dire de venir, non ? Ah bah attends, avant de lui dire de venir, faut déjà checker un peu s'il n'y a pas des bidons d'essence. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu vois ? Certain. Moi, je vois des cochons, là. Putain, ça court un cochon quand tu lui tires dessus. Bon, attendez, je vais me refaire une santé niveau munitions. Prendre munitions. Bon, allez, je ramène le monsieur. Monsieur ! Vous êtes Amaru ? Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Je conduis l'hélico. Pas moi. Tant mieux, moi j'ai envie de conduire l'hélico, j'ai envie de m'entraîner. Fais ! Allez, on va sur le côté alors. Alors, taxi hélicoptère. Alors, shift contrôle pour monter, Z pour piquer et redresser. Maman, je t'aimais bien, adieu. On y va, les enfants. Où est-ce que vous m'emmenez? Ah ouais, il est là, le passager. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, senior. Si, senior. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas manié leur putain d'hélico. Wouh! Hey! Oh, mais c'est un maniement d'hélicoptère! Hey, vas-y. Pour rappel, il y a une putain de montagne devant. Non, juste pour rappel, tu vois. Hop. Juste pour rappel, tu pourrais monter un peu. Voilà, merci. Tu crois que je fais quoi, tout du cul là? Je sais pas, tu t'amuses. Tu fonces dans la montagne là, apparemment. T'inquiète pas, c'est un hélicoptère d'Ubisoft, il va bugger et il aura pris zéro dégâts. Ah. Impossible. Ah, comme ça. Oh, ils auront peut-être bien fait leur boulot. Chaque fois que je conduis un hélico, vous faites vos salopards et vous dites ouais, on va mourir, maman, je t'aimais, ouais. Attends, t'as pas encore atterri, hein. Permets. Oh. C'est trop, j'ai bien atterri, alors tais-toi. Déjà. Ouais, mais t'atterri dans les arbres, en fait. Oui, mais je suis pas aveugle, s'il te plaît, tais-toi. En fait, ça aurait été bien qu'ils mettent maniement facile avec une petite croix au sol pour voir où tu vas te poser, quoi. Ah, quoi. J'avoue, ça fait pas mal. Pour des gens comme Ex. On est arrivé. Je t'emmerde ?
Repose-toi sur le toit. Ah. T'as vu la maîtrise ou pas? GG. Moi je prends le sniper. Ouais. Ouais. Ah ouais, le sniper. Hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. D'ailleurs, on devrait équiper le sniper pour les prochaines missions. Allez, cinématique time. Tu es blessé? J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le roucoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire? Ils s'appelaient Yuri et Polito? Oui, Yuri et Polito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Soigno. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des Sicarios Lambda en sauvant Amaru. Mais je n'ai pas vu Yuri et Polito depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'ils préparent. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp, jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On passera le coin à la loupe. Pour info, le dossier de Bowman sur Yuri et Polito est en cours de transfert. Bon. Le coin à la loupe, ça y est, quoi. Attends, casse-toi, Yuri pas à Polito. Il fait partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Moro. Le mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Moro, c'est la Plaga. Alors... Ah, c'est quoi ce terme? Nature. Fusil à pompe. What? Là où? Bon. Ah, mais en fait, moi, ils m'ont donné une édition gold. C'est peut-être pour ah, ça. Ah, ok. Ouais, ça y est, hein, y a encore des privilégiés. Ah, ouais, tout de suite. Ah, parachute, on prend. Ah. Non, putain, je peux pas. Ah, bah non, plus de moi. Désert numérique. Je l'ai pas pris dans le matériel, le parachute. Ouais. Ok. Tu peux modifier la peinture si tu veux, Pandou. Hein. Ouais, mais non, je vais. Je ferai ça plus tard. Non! Modifie maintenant. Moi, je veux une team qui a du swag, s'il te plaît. Y'a du rose alors? Oh putain, je regarde du rose, mec, mais. Laisse ton bleu sombre, hein, il est pas mal. J'aime bien. Ah, j'ai une nouvelle pièce. Ah, j'ai une lunette. J'ai une vue panoramique. Et quoi? Hausse polymère. Ouais, ce sera mieux que ça. Oh yeah. Alors, rassemble à quoi du coup? Oh ouais, c'est pas trop mal. J'aime bien. Sniper. Baissez vos armes. Inutile de leur foutre la trouille. Sympa. Sympathique. Du coup, on avait dit qu'on mettait quoi comme skill? On met quoi? Vous avez mis le parachute, c'est ça? Non, on a non, moi je l'ai pas mis. J'ai mis visée stable et l'autre. J'ai mis visée stable et j'ai augmenté le drone. Et vision nocturne pour le drone. Augmenter la portée du drone. Pour maintenir, je sais plus comment ça marche. Non, normalement tu cliques juste dessus et ça se met. Y'a rien qui se. Ah, mais non, j'ai pas les ressources nécessaires pour le drone. Moi j'ai mis la vision nocturne et visée stable. Visée stable. Non, pas besoin, je vais attendre. Bon! En tout cas, nous on va s'arrêter ici pour ce premier épisode qui était franchement sympathique. C'est carrément dans nos cordes. Ouais, c'est carrément dans nos cordes, j'ai pas. On est à la botte de Pakatari maintenant? Il a besoin de ce convoi, ça mange pas de pain de lui filer. Plus il sera tributaire de nous, plus on pourra lui demander de l'aide en échange. Non, oh, demander de l'aide en échange. Bon, ben voilà. Bon, allez, Loulou, on se met à plat ventre. Allez! Le lieutenant XVSK a demandé du plat ventre. Allez, tous à plat ventre. Voilà. Donc on va se regarder droit dans les yeux. Même si on porte tous des lunettes ou un casque. Allez, sur ce, Loulou, prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oublie pas d'avoir la oui! Fraglancé. Comment tu l'as fait? N'oubliez pas d'avoir là. N'oubliez pas d'avoir là. Comme d'habitude, j'ai appris des points au cul. Vous pouvez ta chanson, vous connaissez avec Succession. On vous laisse, on fait pas foutu partout et vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sans ciao, bye, bouti, bouti, que l'amour, du plaisir sur les goûts. Peace. Prochaine. A plus.